Hey, mais c'est incroyable! J'ai mal le trépied là-bas, Miskine. Arrogante avec ça, c'est pas possible. Du coup là on est à Dongmyo Market. C'est un peu comme si on était à Paris, c'est quoi? Clignancourt, exactement, j'ai dit Clichy. Voilà l'entrée du marché avec les faux ensembles Nike. Je suis allée plusieurs fois ici mais j'ai jamais filmé. Du coup voilà, c'est trop bien et je voulais trop vous montrer. Du coup let's go. Quartier sensible, il faut cacher le code. On retire le cash. Ouais, non, non, non. Ça ne passe pas. C'est juste... Incroyable. On y a. Emma, il y a même les séries, ouais. Emma, ils ont les albums sur des clips. C'est le stand que t'aimes bien. Avec tout le jean. Non, moi, c'est les salopettes. Ouais, elles sont là-bas derrière. Ouais. Regardez, ah, c'est lui que l'Ender ici. Va savoir. Il y a un parfum Yves Rocher. Je suis pas t'aider. Sachant que tout le monde avait quand il avait 8 ans. Oui, exactement, il sent super bon ce genre. I'm not even. Mais le problème, c'est quelle race ça? La pollution, hein. Ah, mais ils sont fatigués, hein. Los secretos escondidos. Bon, du coup j'ai pas filmé au restaurant parce que c'était incroyablement bon. Ça je l'ai acheté à Samia et je l'ai acheté à ma pote sur coupon. Hein? Ça fait super peur. Non, c'est mignon. Regardez. C'est trop mignon, wesh. Regarde, c'est trop mignon. Peut-être pas là. One Punch Man, c'est l'anime le plus drôle qui existe. Ouais, genre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une manif ou quoi? Actuellement, il fait ressenti moins 15. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour avant les restrictions pour le Covid. Parce que là, en fait, en Corée du Sud, ça s'est un peu aggravé au niveau des cas. Comme il y a eu la technique du with Corona. Et du coup, en fait, là, comme c'est un peu critique, bah, ils ont décidé de refermer. That shit piss me off for real. J'ai eu peur déjà.
Donc là, on est bloqué. Tout le monde a eu la même idée de prendre le taxi à la même heure. Parce que tout a fermé plus tôt. C'est catastrophique, du coup, on attend. Oh, eh ben non, on fait un jour. Et elle pourrait l'avoir abandonné. Elle se surentend. Enfin, c'est que malheureux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui a vomi. Bon, bah on a abandonné. Voilà, on va prendre un bus, se rapprocher au max de chez nous et après prendre un taxi. Attrape pas la crème. On va tous calmer. Il fait moins 8000. Non mais vraiment. Là il fait moins 10, il fait moins 14, un ressenti moins 14 les gars. Appelez la police. Le vent il me cristallise. Mais non, on se met entre les gens. Chauffage humain. Salut. Mon masque. Mais c'est incroyable! J'ai mal le trépied là-bas, Miskine. Bon, je vais vous faire un petit récap de la soirée d'hier parce qu'il s'est passé plein de choses. Comme je vous avais dit que c'était le dernier jour avant les dernières restrictions. Tous les jours, à peu près, on a eu plus de 7000 cas. Du coup, la Corée elle a décidé de mettre en place des nouvelles restrictions. Et ces restrictions, c'est que déjà, bars, restaurants, lieux d'activité. Maintenant, tout va fermer à 21h. Et en plus de ça, on pourra plus faire d'événements à 8-10 personnes, genre maintenant c'est réduit à 4 personnes. Faut que vous sachiez, pardon, que moi je suis vaccinée en Corée. Mais le problème c'est que je pense qu'ils ont dû faire une erreur au niveau du moment où ils m'ont rentré dans le logiciel. Et ben ça fait qu'en fait je suis pas référencée dans le logiciel de référencement de toutes les personnes qui sont vaccinées en Corée. Et ça c'est arrivé à plein d'étrangers, ça m'arrive pas qu'à moi. Et le problème c'est que... on peut pas, à cause de ça, faire l'application qui nous permet d'avoir un QR code. Donc en fait, le seul moyen de prouver que je suis vaccinée, en fait, c'est avec mon papier vaccinal. Je vais vous le mettre là un peu, genre, qui prouve que j'ai été vaccinée, en Corée, quoi. Sauf que, hier, on était 6, je crois
crois qu'on était 6. Mais c'était encore autorisé, puisque c'était un jour avant les restrictions. Et on n'a pas pu rentrer au restaurant. Il m'a dit que mon papier, ça compte pas. Il faut absolument que j'ai le QR code. Je lui ai dit, mais regardez, sinon j'ai même reçu les SMS comme quoi je suis bien vaccinée. Là, j'ai le papier, là, j'ai ceci, là, j'ai cela. Il voulait pas nous faire rentrer. Et ça nous est arrivé dans deux endroits, en fait. Si on n'avait pas la preuve du QR code, on pouvait pas rentrer. Donc, en fait, là, maintenant, moi, je suis en train de me dire, j'ai accès à plus aucun endroit jusqu'à que je règle ce problème de passe vaccinal. Donc, du coup, lundi, avec Laurine également, parce qu'il faut qu'elle convertisse son passe vaccinal français en coréen dans un health center, genre un centre de santé. On va y aller toutes les deux lundi et on va essayer de régler ce problème. Mais là, je me dis que, en fait, imaginez par exemple ceux qui viennent en tourisme là, ben vous aurez accès à pratiquement aucun endroit. Mais quand je vous dis aucun, vous pourrez pas aller en café, vous pourrez pas aller dans une expo, vous pourrez pas aller au musée, vous pourrez pas aller dans les bars. De toute façon, les bars ils vont fermer et les boîtes de nuit aussi puisque c'est 21h. Là, il y a plus rien. Donc bref, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Et pour vous dire de faire attention et de pas venir en Corée tout simplement. Venez même pas en Corée pour faire du tourisme. Ça sert à rien du tout. Vraiment rien. Let it snow, let it snow, let it snow. Anyway, bah je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous. Et je vous laisse sur la neige parce que là c'est magnifique. Là. Franchement je suis...